d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs seront à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent. On a hâte que ça débute. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. On est bavard, on en a même manqué le coup d'envoi. Il accélère côté droit. Di Maria qui écarte le jeu. Il glisse le ballon en profondeur. C'est Alves qui centre. C'est dégagé, loin devant. Il y aura donc touche. Verratti qui centre. Où est-ce qu'il y a? Et le danger est écarté. Mbappé pour trouver la faille dans la défense. C'est une occasion ça. Oh, but, but pour le Paris Saint-Germain. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Ils sont bien rentrés dans ce match et ouvrent la marque très tôt. Le Paris Saint-Germain qui réalise un très bon début de rencontre et il mène logiquement au tableau d'affichage. Où est-ce qu'il y a? C'est joué long, attention. Dommage, c'est intercepté. Ça manque de soutien. Il joue dans l'espace. Dans la profondeur. Oh, le bon ballon. Di Maria, c'est repoussé. Dans la surface. Il a tenté, bien joué. Il est en bonne position pour centrer. Il va au duel, tout en touché. Et le centre. Un peu d'oxygène pour sa défense. Mbappé, il a de l'espace. Et la tête. Et ça rentre. Et ça fait deux buts en l'espace de quelques minutes. Un bon centre et une tête tout aussi parfaite. Voilà, ça c'est une tête. Un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction. Et ça vous donne un but. Le break est fait, on est reparti. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. À 2-0, on respire un peu mieux. Ça sort, touche. La passe dans la profondeur. Il reçoit le ballon. Touré. Il prend sa chance. Aucun danger pour le gardien. Il va être sanctionné. Salah. Bien servi. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, la frappe! Oh, le gardien est là. La classe. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Il met la tête. C'était presque au fond. Ah, ça aurait pu faire, mais je sais pas passer loin.
le duel. Il s'échappe côté droit. Le bon dribble. Il est sur le côté. Il frappe. Dommage, c'était une belle frappe, un moment idéal pour marquer juste avant la pause. Eh bien écoutez, il faut être honnête, on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Deux buts d'avance, il mène pour l'instant 2-0. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Rongier. Cavani. Et un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. Et il tombe sous la pression. Oh, il fallait l'oser ce tacle. La faute. Pour trouver la faille dans la défense. On joue sur l'aile, il est servi. La bonne passe. C'est joué long, attention. Il est passé. Cavani. Jolie technique pour se créer l'occasion, mais la fin de l'action n'est pas à la hauteur du début. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Bien joué, ça. Parfaitement piqué. C'est bien fait, ça. Il tire. Oh, c'est dedans. Ils reviennent à une longueur. Tout est possible maintenant. Il était tellement bien placé, forcément, ça va au fond. C'est très très bien joué là, il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Attention, plus qu'un but d'écart entre les deux équipes. C'est bon pour le moral ça. Et s'ils allaient chercher l'égalisation? Il glisse le ballon en profondeur. La tentative. Oh, c'est un arrêt important, ça. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi, je la voyais dedans. Et ce corner à la rémoise. Il décide d'allonger le jeu. En dribble, c'est bien fait. Au départ, c'était une bonne idée d'aller percuter comme ça. Oui, mais il a joué un peu trop perso, là. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Draxler, qui ne résiste pas au contact. La passe dans la profondeur. Il était bien hors jeu. Ah, ils se sont mal compris. Quel mauvais timing! Le gardien loin devant. Salah. C'est osé. Cavani, qui pourrait peut-être s'offrir un triplé aujourd'hui. Au tour du gardien de jouer.
Le long dégagement du gardien. Quel timing dans l'interception. Et ils n'attendent plus qu'une seule chose maintenant, le coup de sifflet final. Et oui, il faut coup franc. C'est joué derrière. C'est plutôt intelligent. Un ballon intéressant. Di Maria sur le poteau. C'était bien joué. Dommage. Mais quelle vista là, quelle vision du jeu et ce petit ballon piqué en profondeur. Un peu de coaching, c'est bien. Oui, il était fini, crevé, carbo comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire sortir. Attention, le temps presse maintenant. Ça joue à gauche. Attention, ça peut aller vite, côté gauche. Un centre tendu, à ras de terre. C'est joué long. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Un seul but d'écart entre les deux équipes. On a vraiment assisté à un match serré jusqu'au bout finalement. Et logiquement, les meilleurs l'ont emporté.